Isaïe 63, verset 18. Read for us Isaiah 63, verse 18. Ésaïe 63, le verset 18. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Amen. Continue Amen. Jusqu'à la fin. Read it to the end. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Amen. Anglais. Amen. Isaiah chapter 63 from verse 18. For a little while, your people possess your holy place. But now, our enemies have trampled down your sanctuary. We are yours from of old, but you have not ruled over them. They have not been called by your name. Oh, that you will rend the heavens and come down, that the mountains will tremble before you. Amen. Alleluia. Alléluia. Praise the Lord. Ton peuple saint. Your holy people. Ton peuple saint a possédé le pays que peu de temps. Your holy people have possessed it, the land, but a little while. Nos ennemis ont foulé. Our adversary have trodden. Ton sanctuaire. Have trodden down your sanctuary. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. We have become like those of old over whom you never ruled. Hallelujah. Praise the Lord. Et il dit, and he says, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. We have become like those of old over whom you never ruled. Et qui n'est point appelé de ton nom. Those who were never called by your name. Oh! Oh! Si tu déchirais les cieux. That you will rend the heavens. Et si tu descendais. And that you will come down. Les montagnes s'ébranleraient devant toi. That the mountain might shake at your presence. Ça sera notre cri ce soir. This will be our cry this evening. Ton peuple, your people, n'a possédé le pays que très peu de temps. Possessed the land for just a little while. Nos ennemis ont foulé le sanctuaire. Our enemy have trodden the sanctuary. Nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas. We have become like those of old over whom you never ruled. Oh. Oh, si tu déchirais les cieux, if you tore open heaven, et si tu descendais, and now you will come down, les montagnes s'ébranleraient. The mountains might shake at your presence. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Dieu, God, nous a bénis. Has blessed us. Il a béni chacun d'une manière ou d'une autre. And he has blessed each one in a way or another. Mais la plupart, but most, ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Have lost what God gave them. Lis Jérémie 17, verset 4. Read Jeremiah 17, verse 4. Jérémie, chapitre 17, le verset 4. Tu perdras de ta faute.
Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Amen. Amen. Jeremiah chapter 17, verse 4. You will have to give up. You will have to give up the land I gave you. And I will make you serve your enemies in a land you know nothing about. Because my anger is like a fire and it will burn forever. Amen. Lisons le psaume 18, verset 34. Read Psalm 18, verse 34. Psaume 18, verset 34. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Amen. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. It makes my feet like the one of the deer. Il me place sur mes lieux élevés. And he set me on my high places. Ce soir. This evening. Tu vas regarder ta vie. You will look at your life. Toi-même. You yourself. Tu dis à Dieu. You tell God. Je reconnais que tu m'as béni. I acknowledge that you have blessed me. Quand j'avais cru. When I believed. Je reconnais que mon cœur était chaud. I acknowledge that my heart was hot. Je reconnais. I acknowledge que j'étais sur les lieux élevés. That I was on the high places. Mais ça n'a pas duré. But it didn't take long. Je n'ai pas conservé la bénédiction pour longtemps. I didn't keep the blessing for long. Il dit. He says. Oh. Oh. Descends. Come down. Combat pour moi. Fight for me. Que je retrouve mes lieux élevés. That I find, I retrieve my high places. Ton peuple saint. Your holy people. N'a conservé la bénédiction que pour peu de temps. Kept the blessing for only a little while. Et l'ennemi a arraché. And the enemy took it. Parce que j'ai péché. Because I sinned. En pensée. In thought. J'ai péché. I sinned. Par mes actes. By my actions. J'ai péché. I sinned. Par mes paroles. Through my words. J'ai péché. I sinned. Et l'ennemi a profité. And the enemy took profit of il it. Il a placé les pieds là où il ne devait pas placer les he pieds. He took advantage of it and set my feet where I shouldn't set my feet. Lis 63 verset 18. Read 63 verse 18. Et 19. Ton peuple saint. Ton peuple saint. Your holy people. N'a possédé le pays que peu de temps. N'a possédé le pays que peu de temps. Possessed the land for just a little while. Tu m'avais guéri. You had healed me. Je suis retourné dans le péché. I went back into sin. La maladie est revenue. And the disease came back. Le même démon est revenu. The same demons came back. Avec maintenant même il est plus coriace. And now he is more wicked. Tu m'avais délivré de l'alcool. You had delivered me from alcohol. J'ai gardé la victoire. I kept the victory. Pour peu de temps. For just a little while. Je suis retourné dans le kutuku. I went back into the kutuku. Maintenant, j'ai honte même de dire aux frères que j'ai un problème.
And now I'm even ashamed to tell the brethren that I have a problem. Tu m'as délivré du tabac. You delivered me from tobacco. J'ai gardé la victoire. I kept victory. J'ai rendu témoignage. And I testified. Mais je suis retourné. But I went back. Ça n'a pas duré. It didn't last long. Je suis retourné. I came back. Tu m'as délivré de la fornication. You delivered me from fornication. Tu m'as délivré de la fornication. You delivered me from fornication. J'ai gardé la victoire. I kept the victory. Une semaine. 1 week. Deux semaines. 2 weeks. Je suis retombé. And I fell back. J'ai expérimenté la victoire. I experienced un victory. 1 month, 2 months. 1 month, 2 months. Je suis retombé. And I fell. Oh, again. Père. Oh, Father. Moi, ton enfant. I, your child. Je n'ai gardé la victoire. I kept victory. Que pour peu de temps. Just for a little while. Lis la suite. Read what follows. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Our enemies have trodden. Ils sont entrés dans le temple de l'Éternel. In your sanctuary, they entered the temple of the Lord. Des incirconcis. They are uncircumcised. Ont souillé, ont profané le temple. They defiled and profaned the temple. Par ma faute. Because of my fault. Car il est écrit. For it is written, c'est par ta faute, it is by your fault, que tu perdras ton héritage, that you will lose your inheritance. Lis. Read. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Et maintenant, on ne sent plus ta présence. And now we no longer feel your presence. Il n'y a pas de révélation. There's no revelation. Nous ne savons pas par où passer. We don't know where to go. Il n'y a plus la nuée qui nous dirigeait. There's no longer the cloud that les was leading us. Ne reçoit plus les messages. And we don't receive messages anymore. The prophets, nous sommes perdus. They are lost. Sans force. Without strength. Chaque ennemi nous bat. Chaque ennemi. Every enemy defeats us. Every enemy defeats us. Lis. Read. Et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux. Dis à Dieu. Tell God. Seigneur. Lord. Déchire le ciel. Tear open the heavens. Ne me laisse pas dans cet état. Do not leave me in that condition. Après tout, tu es mon sauveur. After all, you are my Savior. Tu es mon père. You are my father. Je ne peux pas rester dans cette condition. I cannot remain in this condition. Comme si tu n'es pas mon Dieu. As if you are not my God. Seigneur. Lord. Tu as dit que si je me repens, you said that if I repent, tu vas me pardonner. You forgive me. Et tu vas me purifier. And you purify me. Et tu ne vas plus te souvenir de mes péchés. And you will no longer remember my sins. Lis. Read. Et si tu descendais? Si tu descendais. And that if you came down. Tu déchires le ciel. Say, tear open heaven. Et descends dans ma and condition. And come down in my condition. Déchire le ciel. Tear open heaven. Et change ma condition. And change my condition. Déchire le ciel. Tear open. Et change ma condition. And change my condition. Moi, je me repens. I repent. Je me repens. I repent. Et je reviens. And I come. Dis à ton père, je me repens, je reviens. Tell your father, I mais repent. Descends, descends, descends. But come down, come déchire down. Le ciel. Tear open et heaven. Descends. And come down. Lis. Les montagnes s'ébranleraient devant toi. Que les montagnes soient ébranlées ce soir. Let mountains shake this evening. Tu dis à Dieu, voici une montagne que je vois. Tell God, this is a mountain that I see. Voici une montagne que je vois. There is a mountain that I see. Qu'elle soit ébranlée. Let it be shaken. Qu'elle entre dans la terre. Let it enter qu'on ne voit the plus ground. Son sommet. And now we should not see the summit anymore. Engloutis cette montagne. Let that mountain be swallowed. Prie des prières prophétiques. Pray prophetic prayers. Je vous dis la vérité, Dieu va descendre. I tell you the truth, God will descend. Dans ce cas, in this case, même si on t'avait enterré, even if you had been buried, il va te faire sortir de là. He will take you out of there. Même si c'est lui-même qui t'a maudit, even if he's the one himself called, cursed you, il va annuler ça aujourd'hui. He will cancel it today. Il va annuler ça. He will cancel it. Dieu aime. God loves. Quand on découvre when you discover qu'il est notre père, that he is our father. Quand tu découvres when you discover qu'il est ton père, that he is your father. Quand tu réussis when you succeed à comparer ce qu'il t'avait donné avec ce que le monde te donne, in comparing that which he gave you and to that
what the world gives you. Et que tu jettes ce que le monde te donne. And you cast away that which the world gives you. Tu commences à crier qu'il te donne ce qui vient de lui. And you start crying out that he should give you what is from him. Tu lui dis que c'est ce qui vient de toi qui est bien. And you tell him that what is good is the what comes from you. Que quand j'étais avec toi, when I was with you, aucun n'est circoncis. No uncircumcised ne pouvait entrer dans le sanctuaire. Could enter the sanctuary. Quand tu étais avec moi, when you were with me, je suis sorti. I came out. Et la porte s'est ouverte. And the gate was maintenant, même les got petits opened. Enfants, même les petits enfants nous insultent. And now even the little children insult us. Oh Père! Say, oh Father! Oh Père! Oh Father! Je n'ai pu garder la victoire que pour peu de temps. I could keep victory just for a little while. Lève-toi, tu parles à Dieu. Même si tu veux, tu te promènes. Stand up and speak to God. If you want, you can move. Tu parles à lui librement. Speak to him freely. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné cet espace. God gave us this space for it's marche not for nothing. Et parle lui. Walk and speak to him. Dis les mots que tu peux dire sans que quelqu'un écoute ce que tu dis à Dieu. Use the words that you can use without somebody hearing what you are saying to God. Dis à Dieu, j'ai perdu cette position depuis. Say, oh Lord, I have lost that position ever since. Quand je méditais, tu me parlais, j'écrivais. When I'm meditating, you were speaking to me and I wrote. Quand je t'invoquais, when I called upon you, j'entendais ta voix. I heard your voice. Je veux I want que tu me replaces that you set me sur mon lieu élevé, on my high sur mes lieux élevés, on my high places, sur mes lieux élevés, on my high places. Dis, je ne veux pas cette condition. Say, oh Lord, I don't want this condition. Je ne la supporte pas. I do not even stand it. Parce que je t'aime. Because I love you. Je t'aime. I love you. Continue à parler. Continue to speak. Continue à prier. Continue to pray. Continue à prier. Continue to pray. Continue à prier. Keep praying. Continue à prier. Keep praying. Continue à prier. Keep praying. Tu as crié pour le mariage. You cried for marriage. Le mariage devient une prison. And marriage has become a prison. Dis à Dieu. Tell God. Place-moi sur mes lieux élevés. Set me on my high places. Place-moi sur mes lieux élevés. Set me on my high places. Place-moi sur mes lieux élevés. Set me on my high places. Tu as crié. You cried out pour une bénédiction. For a blessing. Maintenant tu es béni. Now you are blessed. Et tu deviens lourd. And you become heavy. Tu ne peux plus servir Dieu. You cannot serve God anymore. Ce n'est pas normal. It's not normal. Crie. Cry, cry. Parle à Dieu. Speak to God. Thank you.
Father. Déchire les cieux. Tear open heaven. Descends. Come down. Déchire les cieux. Tear open heaven. Descends. And come down. Que les montagnes soient ébranlées. Let mountains be shaken. Que les montagnes soient ébranlées. Let mountains be shaken. Devant toi. Before you. Continue à prier. Keep praying. Tu peux prier pour quelqu'un d'autre. You can pray for someone else. Tu peux continuer pour toi-même. You can also continue for yourself. Pour quelqu'un d'autre. You can pray for somebody else. Tu peux prier pour quelqu'un d'autre. Pray for somebody else. Tu peux prier pour ton frère. And you can pray for your brother. Tu peux prier pour ton mari. You can pray for your husband. Tu peux prier pour ton dirigeant. You can pray for your leader. Tu peux prier pour tes anciens. You can pray for your elders. Tu peux crier à Dieu. You can cry out to God. Dieu, oh Dieu. Oh Father. Place-nous sur les lieux élevés. Set us on high places. Continue à intercéder. Keep interceding. La grâce et la faveur de Dieu vont descendre. The grace and favor of God will come. La grâce down. La faveur de Dieu vont descendre. The grace and favor of God will la grâce descend. La faveur de Dieu vont descendre. The grace and the favor of God will descend. Et le Seigneur va ébranler les montagnes. And the Lord will cause the mountains les montagnes to shake. Seront ébranlées. And the mountains will be shaken. Les chaînes vont se briser. Chains will be broken. Les prisons vont se casser. Prisons will be broken. Les prisons vont se casser. Prisons will be broken. Dieu va ordonner le réveil. God will command revival. Dieu va ordonner la victoire. God will ordain victory. Il va ordonner la victoire. God will ordain victory. Il va ordonner le réveil. He will ordain revival. Ora bakasakara 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 bakasaba. Ora bakasaba kasaka. Ora bakasaba kasaka baka. Ora bakasakara bakasaba. Ora bakasaba kasaka baka. Ora bakasaka bakasaka baka. Ora bakasakara baka. Ora bakasaba. 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 Continue à prier. Continue à prier. Keep praying. Continue à prier. Keep praying. Continue à prier. Keep praying. Continue à crier. Keep praying. Continue à crier. Keep crying out to God. Ruru bakasanga rabasi bakana. Ruru bakasida kabakasida kana. Ruru bakasida kabakasida mana. Ruru bakasida bakala bakabasana. Ori kabaka, ori kabaka, ori kabaka, ori kabaka, ori bakabaka, 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 ori kabaka sakabana. Non, 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 non. Laissez-la. Leave her.
Dieu Père. Oh Père. Oh Père. Oh Father. Descend. Come down. Descend. Come down. Descend. Come down. Ébranle les montagnes. And shake the mountains. Viens à notre secours. Come to help us. Continue à prier. Keep praying. Place-nous sur les lieux élevés. Set us on our high places. Place-nous sur les lieux élevés. Set us on our high places. Place chacun sur les lieux élevés. Set each one on his high places. Place chacun sur les lieux élevés. Set each one on his high places. Continue à prier. Keep praying. Dieu Père, Dieu Père, restaure, restaure dans la guérison parfaite, in perfect healing, dans la guérison parfaite, in perfect healing, dans la délivrance parfaite, in perfect dans la restauration parfaite, in perfect dans la libération parfaite. In perfect liberation. Place chacun set each one sur ses lieux élevés. On his high places. Que les montagnes let soient ébranlées. Let the mountain be shaken. Que les résistances soient ébranlées. Let resistance be continue shaken. À prier. Keep praying. Thank you.
Donne la victoire définitive. 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 Continue à crier. Roka barabaseva kavan. Roba kaseva kan. 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 Roba Uraba kasebe kase karabasima. Uraba kaseke rebal taramasina. Uriaba kasere kutaramasima. Uriaba karabakasima. Uraba kara. Uraba kabara. Uraba karaba. Uraba karaba. Uraba karaba. Uraba karabalan. Uraba karabalan. Uraba karabalan. Uriaba karabalan. Uraba karabalan. Uraba karabalan. Uraba karabasikumi. Uraba karabasikumi. Uriaba carva secumi, 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 Uriaba carva secumi. Dieu Père, au nom de Jésus de Nazareth, que les montagnes soient ébranlées, 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 que les montagnes soient ébranlées devant toi, devant toi, et que la guérison soit totale, que les délivrances soient totales, que la restauration soit totale. Place chacun sur ses lieux élevés. Continue à prier, continue à prier. Que chacun regagne sa place. Let each one get back to his seat. Tu t'assois, tu restes concentré. You sit down and you remain focused. Tu écoutes. You listen. Ce que Dieu te dit. What God tells you. Ou tu contemples ce qu'il fait. And you behold what he does. Si c'est un démon qui est revenu, il va le chasser. If it is a demon that has come back, he will cast him out. Si tu évangélisais beaucoup, if you used to evangelize a lot, tu laisses qu'il te restaure, il te place sur tes lieux élevés. He sets you on high places. Si tu es le genre de personne qui donnait des conseils prophétiques, if you are the kind of person who used to give prophetic advice, c'est perdu.
and you have lost it, ça va revenir. It will come back. Ça va revenir. It will come back. Tout ce que tu as perdu, all that you have lost, va revenir ce soir. Will come back this evening. Notre Père est bon. Our Father is good. Il est miséricordieux. He is merciful. Ne désespère pas. Do not lose hope. Ne pense pas que c'était fini. Do not think that it was over. C'est l'ennemi qui s'est trompé. It's the enemy who deceived himself. Il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. It is written that the goodness of the Lord has not over, are not over. Si un esprit a occupé tes lieux élevés, if a spirit has occupied your high places, au nom de Jésus, in the name of Jesus, il est tombé, is fallen. Tombé, tombé, tombé. Fallen, fallen, fallen. Dis Seigneur, ébranle les montagnes. Say, Lord, shake mountains. Ébranle les montagnes. Shake mountains. Ébranle les montagnes. Shake mountains. Donne-moi la victoire. Give us victory. Si les marées de nuit étaient parties, if the spirit husband were gone, tu as expérimenté le repos dans le sommeil. You experienced rest in your life. Et ils sont revenus. And they came back. Tu te repens. You repent. Ils ne partent pas. They don't go. Tu demandes pardon. You ask God to forgive you. Ils sont you. Toujours là. They are still there. Pourquoi? Why? C'est vrai. It's true. Jésus a dit, Jesus said, quand ils reviennent, when they come back, ils reviennent avec sept autres. They come with seven others. Et la dernière condition est pire que la première. And the last condition is worse than the first. Dis au Seigneur, Seigneur, je comprends. Tell Lord, oh Lord, I understand. C'est pas ta parole s'accomplit contre moi. Your word is being accomplished. Mais tes bontés ne sont pas épuisées. But your goodness et are endless. Ébranle les montagnes. Shake the mountains. 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 Sors-moi de là. And take me out of there. Prions en langue. Let us pray in tongues.
Let's pray in tongues. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que mari de nuit, femme de nuit ne soit plus jamais mentionné dans ma vie. Let spirit husband and spirit wife jamais. No longer, never again. Jamais. Be mentioned in my life. Never. Oh Père. Say, oh Father. Et prends les montagnes. Shake the mountains. Continue à prier. Keep praying. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous détruisons tout lien. We destroy every tie. Que l'ennemi peut exploiter. That the enemy can use, can exploit. To resist. Tout lien. Every tie. Tout lien. Every tie. Tout objet. Every object. Tout phénomène. Every toute chose. Everything. Tout principe. Every principle. Nous bannissons tout. We ban all. Et nous proclamons la victoire. And we proclaim victory. Continue à prier. Keep praying. Que rien ne se trouve dans ta vie. That nothing be found que même in si c'est caché dans ton corps. That even if it is hidden in your body. Que le Seigneur enlève cela. Let the Lord remove it. Même si c'est caché sous ton pied. Even if it is hidden under your feet. Que le Seigneur enlève cela. Let the Lord remove it. Même si c'est dans ton estomac. Even if it is in your stomach. Que le Seigneur enlève cela. Let the Lord remove it. Même si c'est dans ton estomac. Even if it is in your stomach. Que le Seigneur enlève cela. Let the Lord remove it. Partout où c'est caché. Wherever it is hidden. Que le Seigneur enlève cela. Let the Lord remove it. Même si c'est caché dans tes cheveux. Even if it's hidden in your hair. Que le Seigneur enlève cela. Let the Lord remove it. Même si c'est dans tes vêtements. Even if it's in your clothes. À la maison. At home. Que le Seigneur enlève. Let the Lord remove it. Même si c'est enterré. Even if it is buried. Dans la maison. Buried. Que le Seigneur enlève. Let the Lord remove it. Même si c'est enterré dans la cour. Even if it is buried in the yard. Même si c'est jeté dans l'eau. Even if it is cast into the water. Même si ça a été jeté dans l'eau. Even if it is cast in the water. Que le Seigneur le détruise. Let the Lord. Même si ça a été brûlé. Even if it has been burned. Que le lien soit brisé. Let the tie be broken. Le lien soit brisé. The ties be broken. Tout lien soit brisé. To every tie be broken. Tout lien soit brisé. Every tie be broken. Que tout lien soit brisé. Let every tie be broken. Que tout lien soit brisé. Let every tie be broken. Que tout lien soit brûlé. Every tie be broken. Que tout lien soit brûlé. Every tie be broken. Que tout lien soit brûlé. Let every tie be broken. Garde le calme. Remain calm. Dis merci Seigneur. Say thank you Lord. Merci parce que tu me replaces sur mes lieux élevés. Say, oh Lord, thank you because you have set me on my high places. Où je peux servir. Where I can serve. Où je peux lire la Bible et comprendre. Where I can read the Bible and understand. Où je peux rendre témoignage. Where I can testify. Sans timidité. Without timidity. Le Saint-Esprit veut qu'on insiste sur tous les cas de marée de nuit qui reviennent même après le brisement des liens. The Holy Spirit wants us to insist on all the cases of breaking off
spirit husband who come back even after the breaking of evil ties. Quand c'est comme ça, when it is like that, c'est que c'est Dieu lui-même qui leur donne la force. Is that it's the Lord himself who strengthens them? Parce qu'il n'est pas content. Because he's not happy. Donc tu as deux minutes, tu regardes ta vie, s'il y a une idole, tu l'enlèves. You have 2 minutes. You check in your life. If there is an idol, you remove it. S'il y a une chose que Dieu t'a demandé de faire, if there's one thing that God asked you to do, et tu refuses, and you refuse, il faut le faut accepter ça maintenant. You must accept it now. Si tu obéis, if you obey, les montagnes seront ébranlées. The mountain will vanish. Et ça sera la fin de mari de nuit, femme de nuit. And it will be the end of spirit husband and spirit wife. Tenons-nous debout. Let us stand up. Si tu as la victoire dans ce domaine-là, if you have victory in this domain, prie pour les autres. Pray for the others. Lève ta main. Raise a hand. Dis d'un commun accord. Say in one accord. Nous venons au secours de tous ceux qui traînent le problème de mari de nuit. We come to help all those who drag, who still have the problem of spirit husband. Tous ceux qui traînent avec eux le problème de mari de nuit. All those who still have the problem of spirit husband. Ils ont eu la victoire. They had victory. Mais la victoire n'a pas duré. But the victory didn't last. D'un commun accord. In one accord. Nous venons pour la libération totale. We come for the total liberation. Pour la libération totale. For a total liberation. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Nous venons maintenant. We come now. Pour la libération totale. For a total liberation. Dieu nom de Jésus. Say the name of Jesus. Nous venons. We come. Pour une libération totale. For a total liberation. Dis nous venons. Say we come. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Pour une libération totale. For a total liberation. Nous frappons. Tout ce qu'on appelle mari de nuit. We strike. Nous frappons. We strike. Nous frappons. We strike. Nous frappons. We strike. Tout ce qu'on appelle mari de nuit. All that is called spirit husband. Ou femme de nuit. Or spirit wife. Goraba sharaba sharaba. Dieu au nom de Jésus. In the name of nous Jesus. Nous venons. We come. Au secours. To help. Tous ceux qui traînent encore avec eux. All those who still have. Les problèmes de mari de nuit, femme de nuit. The problem of spirit husband or spirit wife. Nous jugeons. We judge. Nous frappons. We strike. Nous jugeons. We judge. Nous frappons. We strike. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lève ta main. Raise a hand. Dis nous insistons. Say we insist. Que tout ce qu'on appelle mari de nuit. That everything that is called spirit husband. Nous jugeons. We judge. Nous frappons. And we nous strike. Jugeons. We judge. Nous frappons. Strike. Partez. Be gone. Nous jugeons. We judge. Nous frappons. We strike. Nous jugeons. We judge. Nous frappons. Strike. Partez. Be gone. 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 Partez. Be gone.
Écoutez, dis au nom de Jésus. Listen, say in the name of Jesus. Marie de nuit. Spirit husband. Nous te saisissons. We lay hold of you. Nous ne te chassons plus, nous te saisissons. We lay hold of you. Nous te tirons. We pull you. Nous te chassons. And we cast you. Nous libérons les captifs. And we release the captives. Dis-nous, te saisissons. Say, we lay hold of you. Nous te sortons de la vie. We take you out of the life. Et de la maison. And the, of the house. Et tout ce qui appartient à la personne, à la victime. And all that belongs to the victim. Nous te jetons dans we le désert. Cast you in the wilderness. Tu n'es pas un mari. You are not a husband. Je suis un démon. You are a demon. Le mariage c'est pour les hommes et les femmes que Dieu a créés. The husband is the wife and the men and women that God gave. Ça ne te concerne pas. You are not concerned. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lève ta main. Raise a hand. Dis s'il y a encore quelqu'un. Say if there's still somebody qui se retrouve dans la forêt. Who finds himself in the forest. Même si la personne ne sait pas. Even if the person doesn't know. Parce que la personne ne rêve même plus. Because that person no longer dreams. S'il y a une telle personne. If there's such a person, nous déclarons sa liberté. We declare his liberty. Nous déclarons sa liberté. We declare his liberty. Nous la saisissons. We lay hold of her. Nous l'enlevons de la forêt. We remove him from the forest. Nous la saisissons. We lay hold of him. Nous la sortons de cette forêt. We take him out of the forest. Nous brisons tous les liens avec cette forêt. And we break all the ties with that forest. Nous brisons tous les liens avec cette forêt. We break every tie with that forest. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Et nous frappons tout esprit. And we strike any spirit. Qui voulait le garder captif. Which wants to keep us captive. Nous te frappons. We strike you. Nous te frappons. We strike you. Et nous te chassons. And we cast you out. Sors de la vie. Get out from their lives. Sors. Get out. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. D'un commun accord. In one accord. Que tous les objets d'envoûtement soient cassés. Let all the objects of bewitchment be broken. Partout où on dit qu'on a gardé soit les diplômes, soit les papiers, soit les bagues, soit les partout, partout. Wherever they have kept the certificate and everything. The, les bouteilles, les canaries. The bottles, the les pots, tombeaux. The tombs, partout, everywhere, où les biens ont été cachés, where wealth have been hidden, nous cassons tout, we break all, nous libérons tous les biens, and we release all nous the wealth. Cassons, nous cassons, nous cassons, nous cassons, nous cassons, break, nous cassons, break, break, nous brisons, nous brisons, break, nous brisons, break, nous break, cassons, nous cassons, break, nous cassons, nous cassons, break, nous brisons, break, nous brisons, break, nous mettons les biens à la disposition de chaque famille, we put the wealth to the disposal of every family, de chaque famille, every family. Ora baka sara baka laka sara baka sara baka sara baka sara baka ora baka sara baka sara baka sara baka ora baka sara baka sara baka sara. Au nom de Jésus, nous récupérons tout. Say in the name of Jesus, we take all back. Au nom de Jésus, nous récupérons tout. In Jesus' name, we take everything. Au nom de Jésus, nous récupérons tout. In Jesus' name, we take all. Tout. All. Tout. All. Tout. All. Tout. All. Tout.
Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Lève ta main. Raise your hand. Dis, nous venons au secours. That say we come to help. De toute personne. Every person. Qui passe encore le temps. Who spends the time. À lutter contre les serpents dans ses songes. To fight against snakes in his dreams. Même quand il est jeune. Even when he's fasting. Rien ne change. If nothing changes. Il se repent. He repents. Rien ne change. And nothing changes. On a brisé les liens. The ties have been broken. Rien n'a changé. Nothing has changed. Cela, nous les délivrons maintenant. We deliver them now. Nous frappons. We strike. Tout esprit rebelle. Every spirit, rebellious spirit. Nous jugeons tous les serpents. We judge all the snakes. Tout ce qu'on appelle serpent, serpent, serpent. All that is called snake. Nous frappons. We judge. Nous jugeons. We judge. Nous frappons. We strike. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Insistez que tous les serpents, insist that all the snakes, all the snakes, tous les serpents, all the snakes. Urabakashara, bakashara, 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 bakashara. Urabakashara, bakashara, bakashara, bakashara. Urabakashara, bakashara, bakashara. Be seated, please. Assieds-toi. Sit down. Asseyez-vous. Sit down. Le Saint-Esprit va travailler. The Holy Spirit is working. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. S'il y a encore un esprit de mort. If there is still a spirit of death. Ou l'esprit d'un parent. Or the spirit of a relative. Qui possède quelqu'un. That possesses somebody. Nous te condamnons au nom de Jésus. We condemn you in the name of Jesus. Sors et va-t'en. Get out and go. Tout esprit humain. Every human spirit. Qui suit quelqu'un. That follows somebody. Partout il va, tu wherever he goes, you follow him. Il se couche, tu te couches. He lies, you also lie. Si c'est un couple, il se couche, tu te couches au milieu. Or they lie and you lie in the middle. Va! Go! Va-t'en vite! Be gone quickly!
Gardez le calme. Remain calm. Tout esprit. Every spirit. Qui suit quelqu'un. That's following somebody. Partout il va, tu le suis. Wherever he goes, you follow him. Nous jugeons tes œuvres. We judge your works. Nous jugeons tes œuvres. We judge your works. Et nous te chassons, va-t'en vite. We cast you out. Go quickly. Va-t'en vite, vite, vite. Depart quickly. Left arm at what? Raise your right hand. Et nous jugeons tout esprit de dédoublement. D'ici à personne, s'il y a quelqu'un dans cette foule. If there's somebody in this crowd. Ou quelque part priant avec nous. Who is praying or somewhere praying with us. S'il a un esprit. If he has a spirit, qui lui permet de se dédoubler, which allows him to become double, même s'il ne sait pas où c'est venu, even if he doesn't know where this came from, nous te séparons de l'autre. We separate you from the other, qui n'est pas toi-même. Who is not you? Nous te séparons de l'autre. We separate you from the other, qui n'est pas toi-même. Which is not you. Et nous le chassons. And we cast him away. Qu'il s'éloigne de toi. Let him depart from you. Que tu restes une personne normale. For you to become, to remain a normal person. Tu restes une personne normale. You remain a normal person. Nous chassons l'autre. We cast away the others. Tu restes seul et normal. You remain alone and normal. Tu restes seul et normal. You remain alone and normal. Nous te séparons de l'autre toi-même. We separate you from the other and you. S'il y a quelqu'un, if there's somebody qui est encore retenu par les eaux, who is still withheld by the waters. Il est encore retenu par les eaux. Who is still withheld by the waters. Il est encore retenu par l'esprit des eaux. He is still held back by the spirit of waters. Va-t'en vite. Depart quickly. Que tout esprit venant des eaux. Let every spirit from the waters. Qui suit encore quelqu'un. That is still following somebody. Si tu as résisté. If you have resisted, d'un commun accord, in one accord, lève la main. Raise your hand. Nous venons au secours de toute personne. We come in rescue of to anybody qui rencontre la résistance. Who encounter resistance dans son combat contre les esprits des eaux. In his
battle against the spirit of water. Nous frappons ces esprits. And we strike those spirits. Nous frappons. We strike them. Nous frappons. We strike. 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 Et nous te chassons. And we cast you away. Va-t'en vite, vite. Go quickly, quickly. Dis, nous levons la main. Say we raise our hands. Contre toute résistance. Against any resistance. Rencontré par quiconque dans la foule. Met by anyone in the crowd. Dans sa bataille. In his battle. Contre les esprits des eaux. Against the spirit of water. Même s'ils sont humains ou même s'ils sont des serpents. Even if they are snakes or humans. Même si c'est la sirène elle-même. Even if it is the mermaid herself. Vous êtes jugés. We are judged. Partez. Vite. Dis. Sirène, sirène. Même, nous savons que tu es caché. We know that you are hidden. Nous savons que tu es caché. We know you are hidden. Tu es jugé. You are judged. Va-t'en, vite. Libère toute personne que tu possèdes. Release any person that you possess. Et que tu pousses à la fornication, à l'adultère. And that you push to commit adultery. Au lesbianisme et à l'homosexualité. And homosexuality. Va-t'en. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Garde le calme. Remain calm. Keep quiet. Demain, tu vas, tu ne t'arrêtes pas quelque part. You go and you don't stop anywhere. Tu ne t'arrêtes pas à un mètre. You don't stand, stop in 1 meter. Tu ne t'arrêtes pas à 2 mètres. You don't stop in a distance of 2 meters. Même 1 kilomètre. Even 1 kilometer. Tu vas dans les extrémités du désert. You go into the ends of the wilderness. Nous asséchons tes eaux. We dry up your waters. Jésus-Christ. Jesus. Dis-toi la mort. Say you death. Tu es exposé, jugé. You are exposed and judged. Nous te chassons. We cast you away. Va-t'en, 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 va-t'en. Be gone, be gone, be gone. Tu ne vas pas à la maison. You don't go home.
Tu ne te tiens pas quelque part pour attendre. You don't stand somewhere to wait. Tu vas dans ton lieu. You go in your place. Le séjour des morts. In Hades. Tu n'apportes personne. You go with nobody. Nous jugeons tous tes projets. We judge all your projects. Tout ce que tu avais comme projet. All that you had as project. D'accident. Of accident. Des blessures. Of wounds. Des chutes. Des incendies. Of des maladies. Of disease. Tout est jugé. Everything is burned. Tu portes tout. You take all. Ce sont tes bagages. And you take your tu pars avec. And you go with them. Koto roba. Rota kota rakasabaka. Tu portes tout. You take all. Accident, blessure, accident, chute, womb, morsure de serpent, morsure d'insecte, incendie, insect bite, accident de voiture, accident d'avion. Accident Va-t'en. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dieu, nous jugeons tout ce qui était planifié. We say we judge all that was planned. Nous jugeons tout ce que la mort a planifié. We judge all that death planned. Nous l'écrasons. We crush it. Nous l'écrasons. We crush it. Au nom de Jésus de Nazareth. In Jesus' name. Va-t'en. Be gone. Prends tout, tout, tout ce que tu as préparé, tout. Porte ça toi-même. Va-t'en maintenant. Va dans ton lieu. 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 Go in your place. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Dis nous insistons. Say we insist. Que la mort et tous ses projets. That death and all his projects. Disparaissent au milieu de nous. Disappear from our midst. Va-t'en, partez. Be gone, go quickly. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Toi qui attends qu'on marque une pause. You who are waiting that we make a break. We have a break. Pour te manifester après. To manifest yourself later. Suçons. We judge you. Nous te frappons. We strike you. Va-t'en vite. Be gone quickly. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous délivrons. We deliver.
toute personne every person que tu as déjà attaqué par la maladie, that you have already attacked nous by disease, délivrons la personne. We deliver the person. Nous chassons cette maladie. We nous délivrons la personne. We deliver that person. Nous chassons cette maladie. Cast out that disease. Nous délivrons we deliver that person. Toute personne every person que tu as atteinte that you have par la maladie. By the disease. Va-t'en. Be gone. Nous prenons cette maladie. We take that disease. Nous la collons sur toi. We et nous te chassons. We stick it on nous you. Te chassons. We cast nous te out. Chassons. Cast nous te chassons. Cast nous you te out. Chassons. Cast you out. Et toi, esprit de mort. Say you, spirit of death. Toi qui es mort. You who are dead. Mais tu ne restes pas dans le séjour de mort. And you don't remain in Hades. Tu veux vivre avec les êtres humains. You want to live with human beings. Tu leur donnes des visions et des songes. And you give them visions and dreams. Tu es exposé. You are exposed. Même si tu es un parent proche. Even if you are a close relative. Même si tu as profité du culte idolâtre. Even if you have taken advantage of the service entré, of idolatry. Et tu es entré. And you enter. Tu es jugé. You are judged. 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 Va-t'en. You are judged. Sors. Be gone. Va-t'en. Be gone. Sors. Get out. Va-t'en. And go. Sors. Get out. Va-t'en. And go. Va-t'en. Sors. Get out. Va-t'en. And go. 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 Sors. Get out. Va-t'en. Sors. And go. Get out. And go. Garde le calme. Keep quiet. Rabakashara. Dieu nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous jugeons le royaume des nains, les nains, les nains. We judge the kingdom of the dwarfs. Si quelqu'un est suivi. If somebody is followed. Par les nains. By dwarfs. Soit qui habite avec lui à la maison, soit qui le suit partout. Either they live in the house or they follow him everywhere. Qui vole ses biens. And steal his wealth. Vole sa nourriture, vole son argent. Steal his food and his money. Et la maison est comme si elle hébergeait 1000 personnes. And the house is as if it is hosting 1,000 people. La nourriture, l'argent, rien n'est dur. Food, money, nothing lasts. Vous êtes jugé. You are judged. Partez vite, vite. Be gone quickly. Partez, partez, partez. Be gone, be gone, be gone. Partez. Be gone. Partez, partez. Be gone, be gone.
S'il y a quelqu'un, if there's somebody qu'on a envoûté, who has been bewitched, à travers les excréments humains, on a déféqué devant sa maison, sa boutique. Through human excrement, they have defecated before his store of his house. Nous déclarons que tu es libre. We declare that you are free. Nous déclarons que tu es libre. We declare that you are free. Either they have bewitched you à travers les excréments humains, through human excrement déposés devant ta porte, that have been put before your gate, depuis your house, que tu as vu, and you saw it, un esprit t'a suivi. The fact that you saw it, a spirit followed you. Va-t'en. Be gone. Tu es délivré. You are delivered. Que cet esprit s'en aille. Let the spirit go. Que l'envoûtement soit banni. Let the bewitchment be banned. L'esprit qui est venu s'en aille. The spirit that came, go. Qu'il parte, qu'il parte, qu'il let parte. Let it go, let it go, let it go. Qu'il parte. Let it go. Nous lavons ton visage. We wash your face. Nous enlevons cette malédiction. We remove that curse. Nous enlevons cette malédiction. We remove that curse. Si un démon t'a suivi, if a demon followed you, parce que tu as vu la nudité d'un fou, because you have seen the nakedness of the madman, et un esprit t'a suivi, and a spirit followed you, je déclare que tu es libre. I declare that you are free. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. Je déclare que tu es libre. I declare that you are free. J'étais loin de cette malchance. I take you away from that ces envoûtements. Bad luck. This. Bewitchment. Tu es délivré. You are delivered. Et nous chassons le démon. And we cast out the demons. Qui t'a suivi? That followed you. Sors. Get out. Esprit impur. And pure spirit. Sors et va-t'en. Get out and go. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Get out and go. 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 Gardez nos calmes. Remain calm. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Prenez-le. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Be seated. Écoutons 10 témoignages. We are going to listen to 10 testimonies. Gloire à Jésus. Oui, commence. Start. Je suis Charlotte Louise, épouse Wouraine, disciple du pasteur Boniface Meunier. Quand le pasteur a prié vers la fin, depuis le début, mais surtout vers la fin, où il jugeait les esprits spécifique qui venait avec toutes sortes de malédictions. Le Seigneur a travaillé de telle sorte qu'il était difficile même de voir ce qu'est l'esprit qu'il est en train de chasser. Parce qu'il les groupait
Et il le jetait et il me disait, va dire que j'ai fait, j'ai jugé ces esprits de la même façon que j'avais jugé les armées de Pharaon. Et définitivement, mon peuple est libéré. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. En 2017, j'avais perdu ma vie de prière. Quand pasteur a demandé de prier pour ceux qui voyaient des visions, qui priaient, qui avaient des révélations, vraiment qui avaient une intimité avec Dieu. Pendant que je priais, le Seigneur me disait, autrefois, c'était que la connexion était coupée. J'ai eu un songe. Et tout à l'heure, le Seigneur me disait, je te restaure, je te restaure, je te restaure. Acclamation. Toute la gloire revient au Seigneur. Amen. Acclamation. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Colette Gay. Mon frère et disciple, c'est maman Colette. Tout à l'heure, quand on jugeait la mort, j'ai eu une vision et j'ai vu un cimetière, un grand cimetière avec des tombes des chrétiens là-dessus parce qu'on pouvait voir la croix sur chaque tombe. Et quand on jugeait l'esprit de mort et qu'on disait « va-t'en », une grande main venait et balayait toutes les tombes. Et à la place, poussait des gazons qui reflétaient vraiment la vie. C'était bien vert. À chaque fois qu'on disait « va-t'en », la main balayait toutes les tombes Jésus et poussait Christ. Des gazons. Amen. Offrant d'acclamation à Jésus de Nazareth. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sokoto Rosange Carole Nelly, disciple de maman Marie-Louise Yao. Faut dire que mon intimité avec Dieu avait changé. C'était vraiment difficile pour moi de faire 3 jours successifs en train de méditer. Et je disais souvent aux gens que je me sens liée. C'est pas comme si j'ai pas envie, mais je me sens incapable de le faire. Gloire à Dieu. Et pendant que le pasteur Meunier évoquait ce sujet, je me suis vue ici en train de danser. J'ai cru que je dansais. Et c'est comme si l'esprit me disait de bien regarder. Et j'ai vu un homme habillé en tout noir, cagoulé, qui avait plutôt attrapé mes pieds. Et j'étais en train de me débattre avec lui. Et le pasteur a continué. Il a dit, s'il y a une personne qui s'est dressée en montagne devant toi, que la personne tombe. Et j'ai vu une batte de baseball dans ma main qui l'a assommée. Et dès que je l'ai assommée, il est tombé. Il a disparu et moi je me suis retournée pour retourner au Seigneur. Gloire à Dieu. Acclamation. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Libéré, libéré, libéré. Release, release. Gloire à Dieu. Je suis le frère Seri Oumar, disciple du pasteur Chebi. J'aimerais être infiniment reconnaissant au Seigneur qui m'a restauré dans une vision. Pendant que les pasteurs priaient pour que Dieu nous place à nos lieux élevés, j'ai eu une vision. Et pendant qu'on priait pour chasser les esprits, les frères sortaient des bâches, ils couraient, ils étaient libérés pour venir remplir la place. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je voudrais dire merci au Seigneur. Quand le pasteur a dit de prier, que ceux qui avaient des dons, qui ont perdu ces dons, j'ai vu un gros serpent qui est venu et qui avait sorti 2 paires de chaussures différentes et s'est retourné pour s'en aller. Et à la fin, quand on jugeait les esprits de mort, j'ai vu un cocotier qui avait des feuilles sèches. Et les feuilles sèches tombaient et de nouvelles feuilles renaissaient. Je voudrais dire infiniment merci au Seigneur. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Je veux dire merci au Seigneur pour son amour. Vraiment, il était en intimité avec Dieu. Mais quand l'affaire de commerce a commencé, tout a bouleversé. Il peut passer 3 heures, 4 heures devant la Bible, en train de parler avec Dieu. Mais tout cela s'est arrêté. Et quand mon esprit est fermé, je n'arrive plus à lire la Bible. Mais à l'instant où papa parlait, j'ai commencé à lire la Bible et puis il y a les choses qui descendaient de ma tête. J'ai reçu une délivrance au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Marthe, mon frère, ici, c'est maman Meillet. Et lorsque le pasteur a parlé de dédoublement, je suis tombée. Alléluia. Et j'ai l'impression que je ne suis pas seule. Et une fois, il y a fait un son où on était deux personnes, 2 gouttes d'eau, on se ressemblait. Et la personne dit qu'on va mourir à 57 ans. Et ça me troublait. Mais en fait, il faisait les délivrances, mais ça me troublait à tout moment.
Mais tout à l'heure, ils ont fait ma délivrance et la personne pleurait en guérée. Que je suis morte, je suis morte, je suis morte. Alléluia. Et elle a disparu. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus. Et tu vas vivre selon les desseins de Dieu. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwaku Rosalie. J'ai pour faisait des disciples la sœur Babouza Suzanne. Pendant qu'on priait, le pasteur disait que quand on prie que les montagnes s'éclatent, j'ai vu une vision où il y a deux nains qui sont sortis des montagnes et ils avaient chargé des cuvettes remplies de l'eau chaude et ils couraient pour partir. Je veux dire merci au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Conan Amena Marie-Christelle. Mon faisceau de disciples, c'est le missionnaire numéro 2 de Yakassé à Tobrou. Je veux dire merci à Dieu lui-même qui m'a délivré d'un mari de nuit. Pendant qu'on priait, dès que le pasteur a dit, ceux qui ont marié de nous ont prié de soi, en même temps, je suis tombée. Et ils m'ont envoyé, quand on priait pour moi, j'ai vu un monsieur qui était habillé en noir. Il me disait que lui, depuis à l'âge de 5 ans, il m'a marié dans la main de ma grand-mère. Donc, on dit, il n'est pas parti, il dit, va pas. Il était là à lutter avec moi. Donc, moi, pendant qu'on priait, et puis en même temps, il dit, ah, il me libère, il se sépare de moi. Et puis il est parti. Donc je vais dire merci à Dieu, en toute la gloire. Acclamation à Jésus-Christ. Love offering to Jesus. Jésus-Christ. Jesus. Lui-même qui m'a délivré de cette mari de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kambou Madeleine. Je vais bénir le nom de l'Éternel des armées qui m'a délivré de l'esprit de mari de nuit. Lorsqu'on priait pour mari de nuit et que papa, c'était avec le serpent qui est lié à nos vies. Il faut dire que quand on priait, c'est comme ma main, il y avait un bac noir qui est serré ma main et je ne peux pas enlever. C'est collé à ma main et puis ça me faisait ma main. Je faisais ma main comme ça. Et puis les frères là sont venus me chercher. Quand ils sont en train de prier, c'est comme je faisais ma main comme ça, c'est comme le bague là qui était, puis c'est tombé. Et je voyais mes mains, c'est comme le Seigneur a remplacé le niveau bague dans ma main. Je vais bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. Amen. Je suis la sœur Erika, je préfaisais des disciples du pasteur Lignon. Pendant qu'on priait pour les dossiers, pour les diplômes, ça fait 5 fois que ma grand-sœur passe le BPC. Et aujourd'hui, pendant qu'on priait, j'ai commencé à prier, j'ai vu une vieille femme, elle avait canari dans sa main. Et elle avait pris tous nos dossiers pour mettre dedans. Pendant que je priais, et le canari, elle est venue m'attacher. Elle dit donc, c'est moi, je connais route de Jésus, c'est moi, je vais libérer ma famille. Qu'aujourd'hui, je ne partirai pas. Donc, les frères sont venus me prendre pour aller prier pour moi. Et les chaînes ont commencé à se couper. Et la canari s'est cassée. En même temps, les dossiers, j'ai ramassé les dossiers. Donc, je vais dire merci à Dieu. Amen. Jésus-Christ. Jesus. Nous te bénissons. We bless you. Oui, que l'évangile atteigne ta famille. May the gospel reaches your family. Through gloire you. À Dieu. Moi, c'est la sœur Zou Manassé. J'ai pour faisant les disciples le pasteur Kofi Boniface. Bien-aimé, je vais dire merci au Seigneur qui vient de me délivrer du serpent que adoraient mes parents. Tout à l'heure, quand on priait, je chassais le serpent. Il me dit, non, arrête, arrête de me chasser. Tes parents m'ont adoré, tu m'appartiens, vous tous, vous m'appartenez, je vous ai mariés. Et moi, je lui ai dit, non, je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus. Et quand ça persistait, je me suis levé, je suis parti à la délivrance. Ils ont prié pour moi, ils ont coupé la tête du serpent. Ils l'ont ventré et j'ai récupéré tous mes biens. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis le frère Badenoé Fulgence. Mon faiseur des disciples, c'est le pasteur Vincent Zaba. Quand nous avons évoqué le sujet, que les montagnes soient ébranlées. Frère, le nom de mon village, c'est la montagne sous laquelle se trouvent les panthères. Et quand on a insisté sur le sujet, j'ai commencé à bailler énormément. Et à la suite de ça, le Seigneur m'a fait la grâce de me souvenir du sujet de prière hier, quand pasteur Meunier disait, si tu es un enfant de Dieu ou bien un serviteur de Dieu, et que quelqu'un a empêché ou a affaibli, frère, je me suis souvenu qu'en ce moment, j'étais en train de m'affaiblir là-bas. Parce que quand j'étais dans le monde, je sortais avec une fille qui têtait mon sein et le sang sortait. Et elle me disait que, quand on cause jusqu'à elle me dit,
toi là, tu es un homme de Dieu. Oh, moi, j'étais un voyou dans les fumoirs. Et quand il me dit, je suis un homme de Dieu, j'ai ri. Il dit, c'est là, mais on ne comprend rien. Et hier, et tout à l'heure, quand c'est le pasteur insiste sur les montagnes, soit ébranlé, placé à ces lieux élevés, le souvenir de tout ça a commencé à remonter dans mon esprit. Et hier, quand on a insisté sur ce sujet, mon sein là a commencé à se manifester. Et le Seigneur m'a mis à l'esprit de poser la main là-dessus. J'étais en train de me tordre, mes voisins qui étaient là-bas me voyaient. Et au fur et à mesure que j'appuyais, je sentais que quelque chose sortait de mon sein. Quelque chose sortait de mon sein. Et après, je me suis senti libéré. Senti libéré. Délivré. Je veux infiniment dire merci à Dieu qui donne des sujets par révélation à son serviteur. Que la gloire et l'honneur lui reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Je m'appelle la sœur Germaine. Je m'appelle Dri Germaine. Mon faiseur, c'est maman toi, Thérèse. Lorsqu'on priait pour le mari de nuit, je voyais quelqu'un qui me poursuivait. Et je suis tombée. Et je voyais quelqu'un qui est venu derrière moi qui m'a donné un bois. Et j'ai pris le bois, je l'ai ensommé. Ce monsieur, il était métis. Il portait les raies. Et je le voyais coucher devant moi. Et puis j'ai arraché la mallette qui tenait dans la main. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur William Andrea, disciple du pasteur Meunier. Je voudrais dire merci au Seigneur qui vient de me désenvoûter. Quand papa a touché le point des excréments, il y a un aspect qui s'est manifesté. Il faut dire qu'il y a 2 ans de cela, il y avait un parent proche à moi qui était malade. Et il faisait les selles. Et quand il faisait les selles, il me donnait pour aller les verser. Et j'obéissais. Et quand j'ai fait ça, il y a 2 ans, j'ai compris qu'après, beaucoup de choses avaient changé dans ma vie. Pendant que c'est aujourd'hui que j'ai compris que j'étais envoûtée. Et pendant la prière, quand papa a touché ce point-là, un esprit s'est sorti. Le Seigneur me disait, je t'ai désenvoûtée, je t'ai libérée. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Je me nomme Adopo Sophie Villette. Je suis professeur pasteur Kripe d'Agamé. Moi, mon témoignage, depuis Agamé, j'ai pris décision que j'allais s'aimer à Tiroua pour les 40 jours. Et quand je suis venue, j'ai payé les habits, j'ai pas les accessoires pour s'aimer à les semer. Et quand je ferme mes yeux, je vois plein de textes. Et au moment où papa a dit « péché », et l'esprit m'a communiqué, « tu m'as trompé ». Tu ne m'as pas obéi. Si tu n'obéis pas à ma parole, que tu ne chantes pas pour moi, que tu t'en vas là, je vais te faire tomber et je vais te condamner. Tu ne vas plus jamais t'élever, tu vas aller en enfer. Donc, je vais bénir le nom de Dieu qui m'a délivré de ce mensonge. À partir de demain, je vais payer mes choses, quel que soit et pas l'argent, je vais chanter à sa gloire. À tes quoi, ici, au nom de Jésus. Merci. Et deuxième témoignage, quand papa a dit les gens qui ont leur faiblesse, pour aller évangéliser. Bien sûr, toujours il me dit, j'allais évangéliser, mais je n'ai pas le courage. Et il m'a dit, tu vas évangéliser, tu vas guérir les malades dans les hôpitaux. Donc je vais bénir le Seigneur qui m'a donné ce pouvoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sène Guessant, du sud du frère Médébio. Je vais dire merci au Seigneur qui m'a restauré et qui m'a délivré d'un puton. L'année surpassée, lorsqu'on priait pour le renversement des principautés, fin de son jour, je me suis trouvée au milieu d'un gros python qui m'avait emballé. Mais le combat, je n'ai pas pu vaincre le python. Mais après la restauration, lorsqu'on priait, le Seigneur a ramené mon esprit là-bas. Et j'ai commencé à découper le python jusqu'à ce qu'il devienne, tout sa peau quitte, on voit ses os. Et il a commencé à voir la plaie du serpent qui entourait. Je vois que c'était de l'or qui entourait. Il avait tout avalé. Je veux dire merci au Seigneur pour cette délivrance. Amen. Acclamation à Jésus. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Esli, disciple de Maman Léa Ohué. Je veux rendre grâce à Dieu pour cette vision qu'il m'a montrée ce soir. Il faut dire que lorsque nous étions en train de prier sur la mort, j'ai eu une vision où j'ai vu 4 femmes qui ont chargé le cercueil sur la tête. Elles avaient attaché le pagne rouge au niveau de la poitrine jusqu'en bas et des foulards. Et lorsque j'ai vu, c'était un cercueil tout neuf, un cercueil blanc. Donc j'ai regardé dans le cercueil et j'ai dit, tu ne t'en iras point
au nom de Jésus, la personne s'est levée. Et lorsque la personne s'est levée, j'ai dit, au nom de Jésus, vous-même retombez dans ce cercueil. Et ils sont tombés dans ce cercueil, les quatre femmes. Et lorsqu'ils sont tombés, le cercueil s'est fermé. Le cercueil s'envolait. Lorsque le cercueil voulait partir, j'ai dit, vous ne partez point. Restez ici. Et moi-même, j'ai commencé à creuser le sable. Creuser. J'ai mis le cercueil dans le trou et j'ai refermé. Je vais bénir le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde. Au nom de Jésus-Christ, amen. Acclamation. Clap of faith. Je me nomme Kwadjo Ayandane. Je m'en faisais des disciples, c'est Kwame Frédéric. Je me infiniment remercie à Dieu. Lorsqu'on priait, je recevais, tu me dis, vous êtes exaucé, vous êtes exaucé. Ça sonnait dans ma voix, ça tournait dans ma tête. Et puis, l'enfant me dit, dis merci. Au nom de Jésus, amen. Acclamons Jésus. Let us clap for Jesus. Moi, je suis la sœur Comment Désirer Chantal. Mon frère, c'est Papa Koudou. Je vais dire merci à Dieu qui m'a délivré d'un esprit de mort et un esprit des eaux. Tout à l'heure, premièrement, on saute, quand Papa a parlé, qu'on a qu'à prier pour. On saute la montagne et Dieu nous place dans le lieu très haut, élevé. Et quand je priais pour ça, j'étais tombée là. Les frères m'ont pris, ils sont partis avec moi. Ils sont partis avec moi, ils ont prié pour moi. Et ça allait, je suis venue. Quand papa a parlé d'esprit de moi encore, je suis tombée encore, je suis venue me prendre parler. Quand papa a parlé d'esprit des eaux encore, ça a commencé. Et je suis partie, ils ont prié pour moi. Et je vais dire merci à Dieu qui m'a délivré de tous ces esprits. Amen. Let us clap for Jesus. Gloire à Dieu. Je suis le frère Niero Emmanuel. J'ai pour feu d'ici le pasteur Mac Ombléon. Je vais dire merci au Seigneur qui m'a délivré, qui a opéré une délivrance dans ma vie tout à l'heure, pendant qu'on priait. Les autres fois, quand on prie, quand la prière est intense, je sens un poids dans ma tête qui descend jusqu'à mon cou. J'ai du mal à tourner le cou. Et cette fois-ci, le poids était là, mais j'ai dit au Seigneur que la délivrance soit authentique et totale, comme le pasteur avait dit. Et quand j'ai crié au Seigneur, j'ai senti une libération. Et j'ai tourné mon cou. Je sens que tout est léger. Je vais dire merci au Seigneur qui vient de me délivrer, que la gloire lui revienne. Amen. Pose les mains sur ta tête, tu te consacres toi-même. Donne-toi à Jésus avec amour, avec zèle. Lay your hands upon your head and be concentrated and give your life to Jesus. Give yourself to Jesus. Que aucun esprit ne suive personne parmi nous. Let no spirit follow anybody. Qui n'aille chez personne. Let him go to nobody. À la maison. Home. Qui ne touche à aucun véhicule. Let it touch no car. Qu'une moto, qu'un vélo, qu'un no tricycle. Bicycle or tricycle or motorbike. Nous allons avec Jésus, Jésus-Christ. We'll go, we have Jesus with us. Dis-je bâtis un mur de protection autour de tout ce qui est bien. Say, I build a wall of protection around all that is good. Tout ce que j'ai acquis ce soir au nom de Jésus. All that I have acquired this evening in the name of Jesus. Que ce qui a été renversé ne soit jamais redressé. Let that which has been broken never be never rise up. Que ce qui a été planté pour la gloire de Jésus dans ma vie ne soit jamais déraciné. Let that which has been planted in my life for the glory of Jesus never be rooted out. Que tout ce qui a été détruit dans le camp du diable ne soit jamais rebâti. Let all that have been destroyed in the camp of the devil never be rebuilt. Tout ce qui a été déraciné dans le camp du diable ne soit jamais replanté. Let all that have been rooted out in the camp of the devil never be planted again. Les rassemblements qui ont été dispersés ne se reconstitueront plus jamais. Let the gathering that have been scattered no longer be reconstituted. L'œuvre de Dieu va prospérer dans ma vie. The work of God will prosper in my life. L'œuvre de Dieu va prospérer dans mon cœur. The work of God will prosper in my heart. Mon amour pour le Seigneur va augmenter. My love for the Lord will increase. Je me place sur mes lieux élevés avec action de grâce. I set myself on my high places with thanksgiving. Tu dis merci, Seigneur. Say thank you, Lord. Tu m'as fait du bien. You have done good to me. Tu nous as fait du bien. You have done good to us. Notre héritage a été récupéré ce soir. Our inheritance has been taken back this evening. Nous allons bien le garder. We will keep it well.
au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen.